Yes, sir! Allô! Hey, moi, dans la vie, je suis une militante féministe! Merci, merci. Hey, je suis une vraie féministe en plus. T'sais, moi, j'ai du poil en dessous des bras. Je porte pas de brassière. Puis tous les soirs, avant de me coucher, je fais des « Je vous salue, Manon Massé ». Puis moi, je suis féministe puis une militante parce que je pense que les femmes, on devrait faire ce qu'on veut de notre corps. Êtes-vous d'accord? Oui. Yes, sir. C'est pour ça que moi, j'ai des tatous. Ouais, tu sais, moi, je pense que c'est mon corps, mes mauvais choix, tu sais. Puis l'autre jour, il y a une collègue qui me dit « Hey, je sais pas comment tu fais pour avoir autant de tatous. Moi, je serais pas capable de prendre une décision aussi permanente. Mais cette fille-là a des enfants. » Tu sais, moi, là, pour 300$, mon tatou, je peux m'en débarrasser. Et toi, tes enfants aussi. Je connais un gars. Puis moi, j'organise des manifestations dans vie. Puis l'autre jour, et c'est très vrai ce que je vous dis, j'ai organisé une manifestation en bobette pour que les femmes, on se réapproprie notre corps, OK? Puis mon père m'a dit, « Wow, ton chum t'a laissé faire. » Je suis comme, « Ben oui, papa, hein? Il me laisse aussi conduire puis voter. » L'autre jour, il y a un gars qui me dit, « Ben là, si t'es si féministe que ça, tu devrais pas te maquiller. » J'étais comme, « Wow, si t'es si cave que ça, tu devrais pas te reproduire. » Tu sais, quand les gars sont comme, « Hey, les filles, pas besoin de mettre de maquillage. Les gars, on vous trouve belle au naturel. » C'est comme, « Qu'est-ce que vous attendez? Un retour de semi-compliment, genre, « Ben non, les gars, pas besoin de mettre de casquette. Les filles, on aime ça, votre calvitie précoce. » Mais ouais, je pense qu'il y a des gars qui devraient vraiment arrêter de se prononcer sur des affaires qu'ils connaissent pas, tu sais, comme le maquillage, l'économie, la politique. Ouais, moi, j'ai pas mon dire que les hommes pis le pouvoir, c'est comme un bébé pis un iPad. C'est pas parce que ça vous amuse qu'il faut toujours vous le laisser dans les mains, là. Surtout quand il y a des gars, genre des petits messieurs qui veulent décider pour nos utérus, mais qui ont même pas la connaissance de c'est quoi un clitoris. Non, c'est pas vrai. Je sais que pour les gars, le clitoris, c'est un petit peu comme le Guatemala. Genre, vous savez que ça existe, mais vous n'êtes pas capable de le pointer. Fait que je vais vous aider ce soir, tout le monde. Le clitoris, vous allez voir, c'est où il y a mon nez, OK? Oh, c'est drôle, ça. Coralie Laperrière! Encore plus sur nouveau.ca.